Bienvenue à Fort Boyard. Voici Jabba. Jabba est un pirate tchécoslovaque arrivé à bord du Notre-Dame-des-Flots comme passager clandestin. Il a même réussi à établir une taverne. Il a même piqué quelques boyards. Mais attention, il dégaine rapidement à la moindre menace. Parlant de menaces, en voici une justement. Salut Marie-Soleil, salut Alain, salut Dédé. Alors Marie-Soleil, cette menace, elle a des noms? Oui, elle a des noms, certainement. Les trois premiers sont des amis d'enfance. Ils ont grandi ensemble dans le même quartier. Ils sont encore ensemble aujourd'hui, puis un de leurs rêves, c'est de faire le tour du monde, tous les trois ensemble, sac au dos. Je peux-tu y aller avec vous autres? On part tout. Oh non! Ben moi, je suis Robin Gamache, puis je disais à l'émission que Fort Boyard, ça ne changeait pas le monde, mais... Je pense qu'effectivement, ça change le monde. Ça devient bien pissou. Oui? Ouais. Moi, c'est Roxane Robert. Puis, je pense que Fort Boyard, c'est une bonne pratique pour le tour du monde. En tout cas, ça commence bien. Oui? Moi, c'est François Paquette. Je suis étudiant, puis j'ai peur de rien. Bon. C'est un début. Ils font équipe avec ma camarade de chambre en ville, Marie-Josée Croze. Et avec le chanteur de Woodlock, Luc Merville. Bonjour. Salut. Alors, vous êtes du genre à avoir bâti des petites cabanes dans les champs. Ouais. Bien, ça risque de changer. On va jouer au docteur, mais attends. Tout ce que vous avez besoin, là, c'est de passer au travers quelques épreuves, quelques énigmes avec le père Fourat, parce que vous voulez accéder à la salle du trésor. Hein. C'est bien ça. Vous êtes des gourmands, je le sais bien, ça se voit dans votre visage. Alors, Marie-Josée qui va grimper rencontrer le père Fourat, on t'a réservé un petit appartement. Tu vas grimper immédiatement avec Alain. Chante tout de suite, allez, t'es capable, Marie-Josée. Si jamais on a une bonne réponse, c'est une clé. Oui. Si jamais il n'y a pas de bonne réponse. Bien, le père Fourat va lancer la clé à la mer. Et puis c'est Robin qui va se mouiller pour son équipe et qui va aller la récupérer parce qu'on va l'avoir, cette clé-là, de toute façon. Alors, on va se préparer. Viens, tout de suite. Attention. Un ennemi additionnel. Oh, pressé. Un ennemi additionnel, peut-être. Le temps. 35 minutes pour accéder à la salle du trésor à partir du coup de gong. La boule. Coup de gong. Ferme les yeux, je me concentre et hop, on est à New York. Oh, je ferme les yeux, je me concentre et hop, on est à Montréal. Oh, Noémie, ça marche. Ah non, ça n'a pas marché. Dites-moi, Noémie, on s'est croisés dans la boîte, là. Hein? On s'est croisés dans la... la boîte, là, avec Alain Choquet. Oui, c'est ça, vous avez pris ma place. Oui, vous avez compris, vous, comment ça marchait, vous, ce truc-là, non, hein? Moi, non, j'ai rien compris. Voilà. C'est de la magie. Concentrez-vous, un peu de magie, et vous répondez, OK? D'accord? Écoutez. Chaleureux antidote au cruel poison hivernal. Je suis ce cardinal vers lequel s'exile à forfait plus qu'un Québécois traqué par le froid. Qui suis-je? Floride. Non, même, je répète. Chaleureux antidote au cruel poison hivernal, je suis ce cardinal vers lequel s'exile à forfait plus d'un Québécois traqué par le froid. Qui suis-je? Floride et... Floride et... La mer, l'océan, le... antigel, je sais pas. Allez, Noémie. La bonne direction. Oui, le soleil, la plage, et donc le c'est... sable. C'est trop tard. Le sud. Bah oui, comme vous aviez dit, bah oui, quoi de mieux que le sud pour briser l'hiver québécois, hein? Et puis le point cardinal, oh, bah pour quelqu'un qui joue dans la Floride, là vous avez perdu. Allez, hop, descendez. Au revoir. Oui, concentrez-vous, ouvrez les yeux. Oh, je suis un Fort Boyard, ça y est, ça marche, je suis un Fort Boyard. La chercher, tu peux pas sauter, alors vas-y tout de suite, commence à descendre, je vais te le dire quand tu vas pouvoir te laisser aller du filet, là, tu descends le plus vite possible, tu vas chercher la clé. La marée est trop basse, alors tu peux pas sauter. OK, c'est assez bas, là. OK, là, tu peux y aller, je pense. OK.
Ouais, c'est difficile. Allez, allez. Oh, pareil. Ouais. Ouh. Excellent. Oh, t'as la clé? Ouais. Oui, OK. Excellent. Sors ça, cette clé-là. Bravo. Viens-t'en. Est-ce que vous commencez à déchanter un peu? Ah! Non? Pas encore? Non, mais toi, tu chantes, hein? Je ne chante pas. Toi, tu chantes, hein? Tu chantes du rap, c'est ça? Ouais, faut pas craquer. Dans la prochaine épreuve, il y a un peu de... Un petit peu. Des rap. De varap. Juste un petit peu. Mais faut que tu ailles chercher la clé. Mais c'est parce qu'avant, il y avait ici le précipice intérieur. L'avenue était... Abominable. On a dit, pour gâter nos concurrents, on va leur faire voir l'extérieur du fort. Alors, tu descends d'un côté par une fenêtre, tu vas à une autre fenêtre et tu ramasses la clé. OK. C'est pas plus compliqué que ça. Et dès que tu passes la fenêtre, moi, je tourne le clepside et le temps continue. Hein, Marie-Soleil? Oui. C'est ça? Faut appeler ça, ça ressemble à ça. Luc, je vais te parler tout de suite parce qu'une fois que tu vas être dehors, on pourra plus s'entendre, OK? OK. Tu t'en vas descendre à la base de la fenêtre qu'il y a là sur une petite corniche. La clé est dans l'autre fenêtre à côté. On est au deuxième étage, tu vas avoir une super belle vue. Et donc, à droite. À droite, quand tu vas être face au phare, OK? Alors là, tu dois revenir par le même chemin. Tu perds pas de temps parce qu'on ne s'entendra plus. Oh oui, okay. J'oubliais, dans la construction, il y a un petit bout qui manque. OK. Let's go, mon Luc! Let's go, mon Luc! Let's go, let's go, let's go! Ils vont l'attacher pour la sécurité, ils l'attachent. Et puis à partir du moment où ils passent la fenêtre, la clepside est retournée, le temps commence. OK, il descend en bas. Juste en bas, là. En bas. Il descend. OK, là, la petite corniche. Ça, ça va bien aller. OK. Là. Passe à ta mère. Il est bien parti. OK, excellent. Il n'y a pas de prise pour les mains, alors il doit... Et attention, là, la corniche est brisée à ce moment-là. Mais je suis certaine qu'il va vous entendre. Alors là, il passe le petit bout, il n'y a pas de corniche. Mais il est rapide, ça va bien. Il n'y a aucune prise pour les mains, OK? Alors là, il faut qu'il mette ses doigts entre les pierres. Peut-être qu'il va vous entendre. Allez-y. Il y a juste les orteils sur la corniche. Oui, mais ça de façon fantastique. Wow, il s'en vient. Oui, je l'ai vu. Eh bien, bravo, excellent. Super. Ben, c'est la deuxième clé, alors on perd pas de temps, ça va vers une autre cellule. Allons-y. Let's go. Ouais, allez-y. Let's go. Tu t'inscris une belle assistante ou quoi? Ça m'a fait tellement plaisir. Hey, je venais ici pour en avoir plein la vue? C'est pour vrai. C'est pour vrai. Ah oui? Je venais ici pour avoir plein la vue, c'est ça? Ouais. Est-ce que vous avez les yeux assez grands ouverts? On essaye. Oh, pas si mal. Roxane, ça commence mal parce que tu verras rien. OK. Pas grave, Roxane. On va te guider.
Alors, écoute-nous. C'est important, ce coup-là. Il faut que tu nous écoutes comme il faut. Écoute, bon. Fais-nous confiance. Tu vas aller dans la cellule. Écoute bien, Marie-Soleil, un petit peu. Là. Tu fermes les yeux, okay. C'est pas grave. Vous Roxane, fermez les yeux. Oui. Tu vas entrer dans la cellule. OK. OK. Et puis, ben, c'est ça. Écoute, à un moment donné, on va t'enlever ta cagoule. Puis, c'est à ce moment-là que ça va commencer. Regarde, tu as un ami là, qui est un peu violent, mais il va être doux, il va être gentil avec toi. OK? Alors là. OK. Que je vois un peu où on en est. OK. Alors là, il est en train de l'attacher. Il est en train d'attacher Roxane sur un poteau. Alors, va falloir que quelqu'un lui donne des indications, là, clairement. OK, alors. OK, ma belle. Let's go, Rox! Vas-y, Vas-y, Rox! Appuie tes hanches dessus, Rox! Let's go! Le plus bas possible, Roxane! Fais de la pression, C'est bon! OK, c'est bon! Excellent! Regarde s'il n'y a pas un couteau par terre! OK, va chercher le couteau! OK, mets-le en tes chevilles! Let's go, bien fort! Vas-y! Regarde, la lame est du bon côté, Rox! Oui, elle est du bon côté, on va la voir! Let's go, Roxane! Fais attention, Faut qu'elle fasse attention de ne pas te blesser. Attention de ne pas te blesser, Roxane. Tu vois pas les veines, là, c'est pas le temps. Vas-y, t'es capable. Sur toi, tu tournes toujours à la même place. Dis-moi que ça va tuer pour la lame, let's go. Ça allait solidement de tes talons. Comment, lâche pas, Rox. Frotte-le, frotte-le. De haut en bas, Rox, comment? Peut-être que si elle se tourne. Es-tu capable de passer comme ça? Non, ça peut pas passer entre tes jambes. Allez, allez. Roxane, t'es capable. Let's go. Tu restes encore du temps. C'est à peu près la moitié du temps d'écouler. Let's go. Vas-y, coupe. Qu'elle tienne le couteau très, très serré. Très serré avec tes talons, Roxane. Si elle essaie de... Si elle peut retourner le couteau, là, ça va peut-être avoir une meilleure... OK. Elle va pouvoir accoter le couteau. Essaye de tourner le couteau. Essaye de tourner le couteau, Roxane. Coupe-le. Coupe en poussant. Attention. Ouais, Let's go, tu l'as. Non, va de l'autre bord. Vas-y. C'est ça, accote-les sur tes fesses. Check le temps. Oui, surveillez le temps. Ça va falloir qu'elle s'en vienne. Vas-y, t'es capable, vas-y. Comment, lâche pas, là. Let's go, lâche pas. Ça va bien, Roxane. Vas-y, ça va bien, Roxane. Il reste encore un peu de temps. Mais là, oublie pas qu'elle est attachée pour ouvrir la porte, là. OK. Fais la sortie. Okay. Come on, Rox, let's go! C'est bon, c'est bon. Ça va-tu? Ça va? OK, bon, ben, il y a Dédé qui va te libérer. C'est bête, ça va-tu? C'est pas grave, on a d'autres chances. OK, bon, ben, on a d'autres chances. Ouais, c'est serré, ça? Ouais. Fou, elle est libérée! Go! OK. Ça me faisait penser à la chanson de Michel Rivard. Libérer le trésor. Oui. OK, Marie-Josée, tu as un autre rendez-vous. Essaie de l'avoir. Tout de suite, à la vigile, deuxième vigile. Alors, Robin, comme tu es déjà allé à la mer une première fois, il n'y a pas deux reprises de clé à la mer, alors tu restes avec nous. Est-ce que c'est juste bon pour... Oh, non. Je m'excuse, mais... François. Est-ce que ça, là... C'est juste bon pour faire des applaudissements. T'es gaucher ou droitier? Droitier. Non. Bon, enfin. Je veux pas faire. Comme on dit dans les forces, nos meilleurs bœufs t'accompagnent. Bon, ben, tu racontes ton nom, franchement. OK. Alors là, c'est comme un tir au poignet. OK, plus il va tirer, plus la clé va descendre. À partir du moment où la clé va être accessible par la petite fenêtre, il va la chercher, mais en continuant à forcer. OK. Aussitôt que la clé est accessible, tu vas la chercher. Let's go, François. Come on, François. Vas-y, saccadé, François. Let's go. Go, 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 go. Let's go, saccadé. Come on. Lâche pas, François.
Let's go! Non, ça marche pas avec vous. Non, quoique, bon, vous la désirez vraiment? Oui. Oui, eh bien, alors vous répondez et je donne. Alors, écoutez. Bien que son existence soit plutôt paisible, il est très souvent pressé. Source de vitamines des plus sûres, c'est la pire nouvelle qu'un automobiliste puisse apprendre de sa monture. Je répète, bien que son existence soit plutôt paisible, il est très souvent pressé. Source de vitamines des plus sûres, c'est la pire nouvelle qu'un automobiliste puisse apprendre de sa monture. Qui est-il? Une panne... Allez. Oh, moi, qu'est-ce que c'est ça? Marie-Josée... Je sais pas, rouillé, un automobiliste. Aïe! Mais enfin, le citron! Citron! On le presse, et les sources de vitamines. On le presse, j'avais pas compris. Et quand il s'agit de votre auto, bah, c'est beaucoup moins rigolo. Oh! Et ben là. Perfora, je sais pas. Pourtant, c'était mûr, hein. Et ben écoutez, je le remets sur l'arbre. Allez, descendez. C'est un peu pour un shampoing, tout ça, hein. Allez, hop. T'as besoin de faire combien? C'est pas grave. Roxane, tantôt tu étais une femme attachée. Oui. Tu étais attachée. Maintenant, on va te présenter des êtres attachants. Roxane. C'est capable, Roxane. Let's go, Roxane. Écoute-nous. Vas-y, vas-y. Viens là, Roxane. Ne mangeras pas tes potes du fromage, Roxane. Viens là, let's go. Alors là. Allez, Rox, faut que tu ouvres la porte. Vas-y, Roxane. Je vais vous souhaiter bon voyage. Bon voyage. Bon voyage! OK, voici Roxane. OK. OK, let's go. C'est bon. Il faut qu'elle défasse toutes les petites serrures. C'est des petites serrures, alors il y en a à la base des portes. Il faut qu'elle... Elle a plusieurs portes. Regarde une en haut. C'est le côté le plus long. Elle a plusieurs portes à ouvrir. Ça fait quoi? Parce que là, il faut qu'elle fasse tout le labyrinthe, puis au bout, il y a la clé, OK? Puis il faut qu'elle sorte au bout, là. Ça va bien. Qu'elle fasse attention, elle va se faire mal, là. Qu'elle pousse les portes, C'est bon, Rox. Pousse les portes. Oui, parce qu'elle va se faire mal. Let's go, Rox. Let's go, t'es capable. Encore la moitié du temps,
Roxane. Let's go. Fatiguée un peu? Tu peux. Bon, ben alors, en ce moment-là, on va t'inviter à t'étendre, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? On est avec toi. Let's go, Mario. Vas-y, Joseph. Allez. Alors, l'anglais est au bout des... OK. Oui? Allez, en haut des marches. Gauche. À gauche. Attends. L'autre côté. Faut qu'elle commence par l'autre bout. Attention, ça tourne facilement. Marie-Josée, va très, très doucement, OK? Étends-toi, Marie. Étends-toi. Prends ton temps, Marie. OK, alors là, OK, ça, c'est comment? Et t'as pas de ton long, Marie-Josée. Il y a vraiment délicatement, doucement. Tout ton long, let's go. Laisse-toi tranquillement. Tout ton corps, t'as le temps, Marie-Josée. Prends ton temps, relax. C'est beau. Attention qu'elle change. Parce que si elle va trop vite, ça va tourner puis elle va être obligée de recommencer au début. Ça va très bien. Prends ton temps. Étends-toi, Marie-Josée. Colle-toi sa paroi. C'est ça. Comme ça, tu gardes ton équilibre doucement. OK, c'est pas grave. Prends ton temps, t'as du temps, plement. Parce que l'étape la plus difficile, là, c'est le gros, le plus gros cylindre. Alors, Vas-y, t'es capable d'en aller. T'es capable, prends ton temps. Vas-y, sois doucement, Marie. C'est beau. C'est beau, ça. Tranquillement. Couche-toi. Étends-toi, Marie. C'est bon. Elle essaie d'aller trop vite. Doucement. Tu vas trop vite, Marie-Jo. Prends tout ton temps, t'as le temps ici. Un peu plus que la moitié du temps. Vas-y. Il te reste la moitié, Marie. C'est bon. Doucement, prends ton temps. T'es capable? Vas-y, c'est ça. Aïe. T'as encore le temps, Marie-Jo. Vas-y, décourage-toi pas. Essaye, t'as le temps. Un autre essai. Concentre-toi. Appuie ton corps le plus possible. Concentre-toi. On part plus, on te laisse aller. Vas-y. OK. Donc là, son centre de gravité est assez bas. C'est ça qu'il faut qu'elle fasse. Qu'elle aille doucement comme elle le fait. Mais là, elle s'énerve, oui. Énerve-toi pas, Marie. Merci, ma chérie. Relax. Smooth. OK. C'est bon. Comme ça, lâche-toi. Oui, elle se concentre. C'est bien, ça. Bien concentré. Vas-y, Marie-Jo. T'es capable. Elle n'aura pas énormément de temps. Vas-y, t'es capable. Le temps commence à filer. C'est beau. Elle fait bien ça. C'est lui le plus difficile, Marie-Jo. Vous surveillez le temps, les amis? Ouais. C'est ta dernière essai, Marie-Josée. OK, c'est ta dernière chance, Marie. Après ça, il faut que tu t'en viennes. OK. Oui! Okay. Let's go, Marie. Qu'elle essaie de s'étirer vite pour ramasser la clé. Étire-toi pour la clé, il faut que tu t'en viennes. Go, go! C'est beau! Écoutez, il nous reste une chance d'avoir une clé. On y va tout de suite parce que ça la prend cette dernière clé. Allez!
fois, on en a. Des fois, on n'en a pas. Ah. Bon. Vous connaissez l'expression « deux têtes valent mieux qu'une » hein? Bon, oui. Vous connaissez l'expression « deux têtes valent mieux qu'une » Ici, Robin. Je te regarde, là. Je te regarde, là. Ouais. Il nous manque encore une tête. La mienne? Sauf que là-dedans, tu vas voir, ça ressemble à la Batcave. Il y a énormément d'électricité, tu vas voir. Hein, Marie-Soleil, il y a de l'électricité là-dedans. Robin, calme-moi une seconde. Tu vas trouver une roue de poulie, OK, métallique, dans un labyrinthe. Il faut que tu fasses passer la roue de poulie à travers tout le labyrinthe. Ça va. La clé est sur la tête de la femme que tu vas trouver devant toi. Alors, faut que tu fasses retrouver sa tête. Alors là, on n'a pas de temps à perdre. À chaque étape, la lumière rouge va passer au vert. Quand la lumière rouge passe au vert, tu tires la manette, OK? Vas-y, on ne perd pas de temps. Vas-y, Robert, tu nous écoutes, on est avec toi. Alors là, il doit faire passer la manette à travers tout le labyrinthe le plus rapidement possible. Vas-y, mon Robert, ça va bien. OK, quand ça bloque, il faut qu'il revienne sur ses pas. C'est bon, exactement. Regarde, prends ton temps, regarde. Ouais. Quand ça bloque, il faut que tu trouves un autre chemin. Je t'ai dit. Oh, on va s'en voir ça le trésor tout de suite. Venez-vous-en. OK, allez, on perd pas de temps. C'est beau. J'ai tout essayé. N'oubliez pas que vous avez 35 minutes pour accéder à la salle du trésor, oui. Pas plus. Oui, combien de clés, Marie? Des clés. Quatre clés. Quatre on les installe clés. Dans les serrures. C'est bon. Et il va donc en manquer une pour ouvrir la salle du trésor. C'est donc dit que ça prend quelqu'un qui va se sacrifier pour son équipe. Allez, aux oubliettes pour voir la cinquième clé. Qui ça va être? Ah, oh, je suis capitaine, je vais y aller. Oh, Robin. Robin, ça va chercher la cinquième clé. Ah, oui, ça va. Allez, vous approchez pour la chercher la cinquième clé. OK, il y a quelqu'un qui va aller récupérer la clé qu'il va envoyer. OK? Allez, allez, allez. OK, on perd pas de temps, on fait ça vite, hein? Ciao, Robin. Oh, aïe, aïe, attention. La clé, il l'envoie. Allez. La clé. Attention, sort. Hop, là. OK. Bon, la cinquième clé.
À partir de maintenant, on passe aux aventures. Les aventures, ça permet d'avoir des indices pour trouver le mot code. Premier indice, on l'obtient avec le perforant. Okay. Marie-Josée, le perforant va donner trois définitions pour ce même mot. Ce même mot devient le premier indice. Tu pars immédiatement. Maintenant, on part à la recherche de mots, des indices, et on les obtient tout simplement par des aventures. Marie-Soleil, tu les amènes on se prépare à la première aventure. Tout de suite. Let's go. Tout de suite. Ça n'a pas marché avec Noémie. Ça ne marche pas avec Marie-Josée. Alors, ça peut marcher avec je ne sais pas qui. Avec je ne sais pas qui. Bon, alors je ne sais pas qui. Voici les trois définitions. Écoutez bien. Oui. Mon premier indice est le liquide des rois. Vin. Non. Allez. Bon. Mon premier indice est d'un naturel brut. Champagne. Allez, faut pas dormir sous la switch, là, allez. Bon, mon premier indice a beaucoup d'énergie. Énergie, vitamine. Bah, ça baigne pas dans l'huile, là. Non. Eh ben, vous n'avez pas le premier indice, et vous rejoignez vos amis qui vous attendent près des barges et des filets. Eh ben oui, Marie-Josée, je sais pas qui. Allez, je sais pas qui. Je sais pas qui est, et je sais pas quoi non plus. Hein. Ah, et en plus, vous êtes gâtés, hein? Le beau temps qui revient. Oui. Ouais. François qui abandonne son équipe. C'est pour une bonne cause, okay. Hein, Marie-Soleil? Oui. Il va forcer, là. Il va forcer certains. C'est commencé. Il vient de monter sur la barge. C'est parti. Tu es ton spectateur. Tu vas donc te préparer pour la prochaine aventure. Oh, Luc! Va te préparer. Vas-y. On va jouer tantôt. OK. Alors là, François est en train de s'attacher sur le radeau. Là, il doit remonter le filet. Il y a un long, long, long filet de 30 mètres qui traîne dans la mer. Et puis, quelque part, l'as-tu? Je l'ai pas, mais j'ai une idée. T'as une idée? Bon, OK. Oh, câline, que c'est lourd, ça. Alors là, François, ça a l'air glissant en plus. Il doit remonter le filet qui traîne 30 mètres dans la mer. Le filet est extrêmement lourd. Et quelque part sur le filet, il va trouver une cartouche avec l'indice, là, ce qui serait un premier indice. Ça a l'air lourd, ça. Force, vas-y, François. Essayez de l'encourager qu'il vous entende. Vas-y! Let's go, François! Allez. T'es capable! Ça va bien! Ouais, il y a 30 mètres en train dans la mer. Go! C'est bon. Vas-y au maximum! Donne-toi aïe, aïe. Continue, lâche pas, ça va bien! Continue, François! C'est bon! T'es capable! Vas-y, François, continue! Quand le Zodiac va aller le rechercher, ça veut dire que les trois minutes sont terminées. Il faut qu'il oublie tout ça, puis que... Fais le plus vite que debout, allez. Lève-toi, debout! OK, c'est bon, ça a l'air d'aller. Continue! Ça marche bien, François, décourage-toi, toi! Écoute, ça va être là où il va être le plus confortable pour... Il va se sentir le plus efficace. Commence à porter attention. Ah oui, vous entendez, c'est sûr. 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 C'est Ça veut dire, s'il se passe comme ça, ça veut, j'ai l'impression qu'il y a la cartouche, qu'il a vu la cartouche. Aussitôt qu'il l'a, il l'ouvre et puis il nous crie le mot. Trouve la cartouche, vite! Il y a des vis. Avant que le Zodiac aille le chercher. Oh, c'est quoi? Right, OK, ouvre-le! Qu'il... Ouvre ça puis crie-nous ça! Bravo! Essentiel! 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 Excellent! Bravo! C'est bon! OK!
que je me trompe, Luc, ou si tu as des grands, 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 grands yeux, soudainement? T'as une chanson, toi, qui s'appelle « Faut pas craquer hein? ». Est-ce que ça te plairait de chanter cette chanson-là aux élastiques? On va voir. Si tu parles pas, tu chantes pas mal, mais tu parles, chantes pas mal, mais tu parles pas beaucoup. On peut parler. Tu vois la cartouche qui est là, là, suspendue? Je la vois. C'est ça, faut que t'ailles chercher. Ouais. Pas évident. Oh, quand même. Faut que tu essaies. Et ouais, vous êtes avec moi, vous êtes en bas, je suis en haut. Vous êtes avec moi, venez vous tenir après moi. Justement, je pense qu'ils ont besoin de compagnie, alors je vais aller les rejoindre. J'espère, enfin, j'espère que tu reviendras avec l'indice. Hey. À tantôt. Luc, François a eu le premier indice, OK, c'est essentiel. Là, c'est essentiel que tu gardes les bras en avant des corps puis que tu nous accroches ça, cet indice-là, OK? OK, donc je vise vraiment le plus droit possible. Ça va remonter assez haut. Ça va remonter, puis tu vas aller l'attraper avec tes bras, tes jambes, tu l'attrapes, OK? Ça nous le prend. Tu me pousses parce pas qu'on a juste tout un. Seul. Ouais. Bravo, François! C'est vraiment ça, c'est super beau. Bravo! Ouais, c'est vraiment cool. OK, on va le laisser se concentrer deux petites secondes. Quand vous voulez, hein, j'y vais, n'importe quand. François, viens t'impliquer ici. C'est comme de long. À voir. Et là, concentre-toi. Un seul mot? Oui, un seul c'est indice. Essentiel. Qu'est-ce qu'on a? Ça en fait des gros bras, ça, pour traîner un tout petit papier. Ouais, ben, ils sont tous pris, mes bras. Est-ce que vous allez faire des sacrifices? Oui. Alors, on va y aller tout de suite pour pouvoir commencer à réfléchir puis à sortir. Allez. Commencer à réfléchir tout de suite, hein? Allez, tu sors ça. Bon. On va tellement long avant la cloche. Essentiel. OK. Ici, on a... Olive. Huile. Huile d'olive essentielle. Oui, huile. OK. C'est H. U avec un boulet. I. L. W. Non, c'est une joke. Let's go. Attention, il faut que ce soit le bon mot code et il faut que ce soit écrit correctement. Sonnez la cloche. OK, c'est bon. Le bon mot code. Oui, c'est H. U. Boulet. I. L. E. Mais allez, prends le boulet, va prendre le boulet, t'es plus fort, là. H-U-I-I. Oh, wow, boulet. Voilà. Organisez-vous, avec la porte. Il faut que ce soit le bon mot code écrit correctement. H-U-I-L-E. OK, alors, vous passez en dessous, passez en dessous. Allez-y. Let's go, on y va. Les boulets, juste quand vous ne pouvez pas vous mettre debout sur la lettre. C'est le H. Let's go. Ça va. H le I, là. Concentrez-vous. C'est moi H. H le I, là. U, là. H, U, moi. Qu'est-ce qu'il y a le I, bordel? I, là, c'est moi, toi, c'est L, E, L, E. OK. OK. Vérifiez ça, là. Vérifiez l'orthographe. H. Il y a deux U. U. Merde. I, où est-ce qu'il y a le L? L, va sur le L. Il y a là, le L, c'est le... Va sur le... C'est le H, va sur le H, Marie. Non, non, c'est le E, voyons. Non, juste le E. Juste le E, il y a le... Non, c'est le H, le H. Viens ici, Marie, viens ici. OK, H, U, I, L, L, c'est bon. OK. Philippe Dira, tête de tigre. Aujourd'hui était huile. Tout d'abord, à la vigie, les trois définitions donnaient le mot pétrole. Pétrole
arrivé à Huile. Ensuite, nous avions Essentiel dans l'épreuve, l'aventure de la barge du filet. Et le premier sacrifice à la tête de tigre a donné le mot olive, qui nous conduisait au mot code d'aujourd'hui, huile. N'oubliez pas, vous avez quelqu'un qui est toujours là pour vous. Il y a Robin qu'il faut aller chercher. C'est sacrifié pour vous, on va le chercher. OK. Let's go. Hey Robin, on a pas de toi. L'autre main. Allez, hop. Non. L'aider, la pesée. Attention. Et la gagne. On va voir combien on a ramassé. Attention, Luc. Attention. OK. Au deuxième étage. Ouais, ça s'est bien avec nos mains. Combien? 2500! C'est 2500$ pour vous rassurer par soleil. Merci, vous avez été fantastique. Alors, je vous donne ce trésor que vous avez fait passer à la chambre. Ce moment d'émotion intense vous est offert par Chevrolet.